Bonjour, cher Bélier. Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Béliers. Allez, on commence tout de suite le tirage avec l'énergie qui nous accompagne et c'est l'énergie de Michael. Alors, je vais essayer de pas trop toucher les cartes parce que c'est une caméra qui fait des mises au point, donc on va essayer de faire en sorte que vous ayez pas trop mal au cœur, en tout cas pas dans les premières minutes. Alors, Michael. Lui, c'est un archange qui va nous permettre d'obtenir des soutiens inattendus. Voilà. Donc il y a quand même une notion d'adversité, puisqu'il va nous apporter cette force-là dans l'adversité précisément, et puis des soutiens inattendus. En tout cas, il va favoriser aussi les contacts, les échanges. S'il y a des luttes, s'il y a des conflits dans votre existence ou si il se manifeste des oppositions, il est là pour les apaiser. Donc c'est plutôt une très bonne chose s'il y a cette possibilité de les résoudre. Il apporte également sa protection aux commerçants, aux écrivains et aussi aux voyageurs. Voilà pour Michael et l'énergie qui nous accompagne. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne et nous avons, waouh, ça commence fort. Donc nous avons la carte 21 de la protection. Nous avons la carte du génie, de l'art et du marginal. Ok. Alors, j'ai dit que je touchais pas les cartes. Alors, je vais commencer avec la carte de la protection. Alors, cette carte de la protection, elle nous dit qu'il faut prendre conscience de l'énergie, de la protection divine qui nous entoure pour nous recentrer sur l'essentiel. Alors, il y a une notion avec cette carte de la protection d'arrêter de se disperser. C'est-à-dire de remettre en place ses priorités parce que on est guidé, parce qu'on est protégé dans nos accomplissements et que c'est peut-être un moment pour se poser, réfléchir au sens de la vie, de voir comment on peut se reconnecter à son intuition, à ce qu'on a au plus profond de nous. Pour retrouver un plein épanouissement si c'est pas le cas. En vraiment se concentrant sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors c'est intéressant parce que, voyez ici, on a la carte du génie. Le génie, j'adore cette carte, elle nous parle d'intelligence relationnelle, elle nous parle de trouver des solutions positives. Lié, alors peut-être à l'art, là on est soit dans le domaine artistique, soit c'est en faisant appel à ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous passionne. Alors ça peut être dans le domaine de l'art, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a une personnalité créative dans le sens de trouver des solutions qui soient originales, hein, parce que le côté artiste, le côté créatif nous parle aussi de ça. Mais ça peut être aussi peut-être certains d'entre vous travaillent dans le domaine artistique, dans le cinéma, dans la peinture, voilà, c'est aussi possible. Avec la carte du marginal qui suit. Là, on est vraiment dans l'originalité, on est dans l'affirmation de soi, on est dans l'indépendance, on est dans le refus des contraintes. Il y a une notion de rebelle et d'insoumis, hein, comme je dis souvent avec cette carte. Moi, j'ai l'impression que dans tous les cas, on va en faire qu'à notre tête. C'est-à-dire que si on prend le temps là de se faire, de suivre son intuition, de se laisser guider par ce qui nous tient vraiment à cœur, de remettre vraiment ce qui est essentiel pour nous au cœur de notre existence, on va trouver les solutions pour le mettre en place et dans tous les cas, on va y aller parce qu'il y a vraiment cette notion d'épanouissement, il y a vraiment cette notion encore une fois, d'indépendance, d'affirmation de soi, dans qui on est aussi. Aussi farfelu que soient nos projets, aussi, voilà, peut-être il y a cette notion de conflit, hein, je l'oublie pas avec Michael, peut-être parce que là, comme il y a une notion aussi de refus des contraintes, peut-être que
on va rencontrer des oppositions par rapport à ce qui nous tient vraiment à cœur, mais on est protégé. Voilà, on nous demande dans cette protection divine, dans cette guidance de se recentrer sur vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous. Voilà pour cette première ligne. Ensuite, nous avons, ok. Alors c'est intéressant parce que c'est ce que nous dit Mickaël aussi. Hein, il nous parle d'échanges. Et de soutien inattendu. Donc là, on a la carte 28 des partenariats. Nous avons la carte de la discussion, la carte du droit et la carte... Wow, décidément. Et la carte de la discipline. Ok. Alors... Là, c'est doublement intéressant avec cette énergie de Mickaël parce que précisément cette carte 28 des partenariats nous dit qu'il va y avoir des soutiens inattendus ou des associations peut-être qui vont se présenter à nous et qu'il faut qu'on les accueille. Qu'il faut qu'on les accueille avec confiance, qu'il faut qu'on les accueille avec enthousiasme parce que c'est un peu un moment important de notre existence. Où malgré notre besoin d'indépendance, etc., parce que les béliers, on est un peu comme ça, là, c'est un peu une étape où il faut prendre conscience que les autres peuvent nous aider aussi, ou peut-être nous apporter des conseils pertinents, peut-être sur le projet, vous voyez, parce que... là, il y a peut-être, sur cette première ligne, l'idée. Et là, la manière dont on va le structurer, et on nous demande aussi de nous rapprocher de personnes qui soient compétentes, qui soient bienveillantes, de discuter avec elles. Alors peut-être sur l'aspect légal, comment, une fois que j'ai décidé de ce qui me tient vraiment à cœur, comment je vais le structurer, comment je vais le mettre en place, comment je vais avancer par rapport à ça. Que si jamais vous rencontrez des épreuves ou des contradictions, etc., il y a des personnes qui vont être sur votre chemin. J'oublie pas que la première carte, c'est une carte de protection. Donc, ça veut dire que ce qui nous tient à cœur, tout ce qui nous inspire, etc., il y a quelque chose de juste et c'est un peu comme une autoroute, mais on a aussi notre part du boulot à faire. Et d'abord, c'est de l'assumer et après, de le mettre en place dans la réalité. En tout cas, il y a vraiment une notion quand même ici de soutien. C'est intéressant parce que Mickaël, c'est exactement ce qu'il nous dit. Il nous parle de ça aussi. Il nous parle de soutien inattendu. Hein. Donc, il y a quelque chose d'assez fort là, je dois vous dire. En tout cas, on nous demande d'accepter cette aide. Voilà, c'est-à-dire sortir de ce côté un peu rebelle à un moment donné et d'accepter l'aide qui va se présenter sur notre chemin pour pouvoir mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Ici, on nous demande de faire preuve de rigueur. Il y a une notion de persévérance, mais il y a aussi une notion de restructuration. Ça veut dire que peut-être certains d'entre nous ont lancé déjà des projets et qu'il est temps peut-être de les repenser ou de modifier la ligne directrice ou de se réadapter, hein, tout simplement, ou de se légaliser. Voilà. Donc, il y a des soutiens extérieurs là qui vont croiser notre route pour nous permettre de se mettre en place d'une manière très concrète. Ici, avec la carte de la discussion, on est dans l'échange, on est aussi dans la recherche de solutions. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif dans la manière dont on va structurer les choses. Donc, du coup, maintenant, je veux absolument savoir ce qui se passe après. ok, bah, décidément. Donc, ici, nous avons la carte 31 de la méthode. Nous avons, ok, la carte hop, des conflits, de la clairvoyance et de l'apprentissage. Alors, très intéressant. Très, très intéressant. Donc, la carte de la méthode, c'est une carte qui nous dit qu'il faut vraiment s'organiser d'une manière méthodique. Hein. Ça reprend, en fait, les lignes se suivent et s'accompagnent mutuellement. Donc, ça me fait penser à la carte de la discipline, pardon, ça y est, je bégaye, où il y a vraiment une notion de pour atteindre les objectifs, pour résoudre les problèmes que vous rencontrez, peu importe le domaine hein, de votre existence, il va falloir être méthodique. Alors peut-être qu'il y a des oppositions. Alors c'est intéressant parce que Mickaël,
Il nous parlait de ça aussi. Il nous parlait, enfin, je dirais, il apporte la force pour apaiser les conflits. Donc, les conflits, on peut être soit c'est un conflit intérieur, et puis on hésite entre plusieurs choses, etc. Et là, on va poser les choses à plat et on va, avec la carte de la clairvoyance, trouver les solutions. Peut-être que on va avoir besoin d'un apprentissage, d'une formation, peut-être de quelque chose de technique, peut-être se renseigner, voilà, sur un plan légal, hein, parce qu'on avait la carte du droit tout à l'heure. Alors encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de l'existence, hein, vous l'adapterez en fonction. Mais en tout cas, pour moi ici, je vais finir parce que là, je me disperse. Pathétique. avec la carte des conflits, parce que je vous disais qu'en fait le conflit peut être intérieur, mais il peut être aussi des oppositions que vous rencontrez, peut-être des personnes qui ne soutiennent pas le projet, peut-être des personnes qui vous disent mais non, ça fonctionnera jamais, ou non, ne laisse pas tomber cette personne parce que voilà ce que tu vas perdre, etc. Donc peu importe. Dans tous les cas, ici, on voit les choses clairement, on trouve la solution et peut-être qu'on va apprendre aussi de cette situation. Il y a quand même quelque chose de très terre à terre, je trouve, dans ce tirage, de vraiment ancré dans la matière, dans cette capacité à se structurer, à se mettre en avant, à peut-être que certains ont aussi, parce que je dis ça, mais en même temps, ce qui est en train de me venir, c'est que peut-être que certains sont en train de développer aussi des capacités, parce que là, on parle de dons de voyance, donc soit on voit les choses clairement, soit on trouve les solutions, mais peut-être que vous êtes en train de développer un don, peut-être que ça perturbe, peut-être que vous êtes en apprentissage de certaines capacités et que vous rencontrez des oppositions autour de vous. C'est une des options possibles. Quoi qu'il en soit, là on vous dit avec la carte de la méthode qu'il faut quand même faire preuve de persévérance. C'est ce qu'on nous disait avec le avec quoi ? Avec la carte de la protection, qu'il faut faire preuve de persévérance, qu'il faut aussi faire preuve de réflexion, de capacité d'adaptation, hein, s'il y a des personnes en face de vous qui peut-être sont dans l'opposition voilà, qui parfois ça permet d'avancer ou d'apprendre des choses, justement, hein, de voir les choses sous un angle différent. Mais en tout cas, il y a une notion quand même ici de s'adapter à une situation. Il faut pas être trop spontané là, c'est-à-dire que malgré ce côté rebelle, insoumis, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir poser les choses à plat, écouter les gens qui nous ont donné des conseils en face, qui sont bienveillants et qui sont dans la recherche de solutions. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin d'être rassurées aussi, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Ou peut-être, si vous considérez que c'est une perte de temps, bon, vous n'êtes pas obligé de les rassurer. Ce projet-là vous appartient. Mais en attendant, il y a quand même une notion d'apaiser des conflits et de ne pas rester dans des conflits parce que ce n'est pas l'énergie la plus pertinente. Mais moi, j'ai l'impression que dans tous les cas, la solution, elle sera trouvée. Peu importe que ce soit dans le développement de vos capacités, que ce soit dans la mise en place d'un projet, dans un changement d'activité professionnelle, dans une association, dans un partenariat, dans le fait de quitter un boulot pour en reprendre un autre. Soyons un peu terre à terre là, c'est-à-dire structurés et. Alors, on va voir ce que nous réservent les cartes issues de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors, juste pour information, parce qu'on va me le demander, ici, c'est l'oracle des nombres, ici, l'oracle du Verseau, et ici, nous avons deux cartes de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors, nous avons ici la famille, qui nous dit... Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, d'accord. Et ici, la nouvelle page. Il y a vraiment un nouveau départ qui est très fort.
Moi, je le sens très fort, je ne sais pas vous, mais vous me direz. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok. Alors, c'est intéressant par rapport à la famille et au conflit. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que la carte de la famille, c'est une carte qui nous dit que peu importe la famille dans laquelle on est né, peu importe les conflits, peu importe ce qui se passe, c'est la meilleure expérience qui soit pour notre évolution. Tout ce qui a été ancré, tout ce qui a été appris, tout ce qui nous a vu grandir a construit nos valeurs, a construit notre structure, a fondé notre identité. Il peut y avoir eu aussi des croyances négatives qui ont été ancrées. Il peut y avoir eu pour certains d'entre vous des souffrances, peut-être des frustrations, peut-être peut-être des manques, peut-être des situations avec lesquelles certains d'entre vous se battent encore ou peut-être travaillent dessus, peut-être certains d'entre vous en ont conscience ou peut-être pas, mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que le passé est à remettre à sa place, derrière vous. Et s'il y a des luttes, s'il y a des reproches, pense au conflit, il y a peut-être des gens des personnes qui rencontrent des oppositions dans leur famille. Voilà. Ou qui n'osent pas se lancer parce que on leur a dit que peut-être elles ne réussiraient jamais. Vous voyez? Mais là, il y a une notion de je reprends le pouvoir aussi, hein, pour moi. Quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment une idée de laisser tous les reproches, toutes les luttes derrière soi, parce que ça fait que renforcer les différences. Ça vous rapproche pas de vous-même. Donc là, il y a une notion de se détacher du négatif, de le laisser derrière soi. Il y a vraiment une notion de, il y a le passé et il y a le présent. Qu'est-ce que je fais de mon présent? Mon présent va conditionner mon avenir. Est-ce que je laisse mon passé, alors d'une certaine manière, oui, parce qu'il vous a construit, mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette construction? Est-ce que vous allez être une victime de ce que vous avez vécu, ou alors est-ce que vous allez être un survivant astucieux en rebondissant sur ce que vous avez appris? Gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Tout ce que vous avez acquis, de bon ou de négatif, faites-en un levier de réussite pour vous épanouir, pour aller vers ce qui est le plus juste pour vous. C'est ce qu'on nous demande déjà dès le départ du tirage. Donc j'ai l'impression que derrière ce tirage, il y a peut-être aussi quelque chose de plus profond, c'est-à-dire il n'y a pas une idée de revanche dans le sens je prends ma revanche sur la vie, mais il y a une idée plutôt de je me rapproche de qui je suis, je me défais d'un certain nombre de structures, je m'appuie sur ce qui est juste pour moi, sur ce qui m'a construit et qui m'a rendu plus fort ou plus forte, et je vais faire les choses en conscience. Pour vous faire grandir vous-même, hein, d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle nous dit, quoi que vous ayez vécu, vous avez survécu à ce qui s'est passé. Et cette carte qui l'accompagne juste à côté, c'est juste extraordinaire. Il me touche beaucoup ce tirage, hein, je vous le dis. Je vous le dis, en fait, il prend une tournure beaucoup plus profonde que juste l'aspect. Il se planque quelque chose de vraiment fort derrière cette idée de remettre en place ses priorités. J'aurais dû commencer par ces cartes. Bon, les choses sont telles qu'elles sont. Là, cette carte, elle nous dit de la nouvelle page que notre état d'esprit, que notre attitude,
influence ce qui va se passer. Et c'est intéressant en fait que ces deux cartes, normalement il y en a qu'une, bon là il y en a deux qui ont sauté, elles ont sauté en même temps, donc du coup je les ai conservées et je comprends pourquoi. Cette carte, elle nous dit il y a une notion de loi d'attraction, c'est-à-dire que dès qu'on considère que les choses elles existent réellement, elles ont tendance à se produire. Là, on nous demande d'activer un processus créatif. Je reviens à cette première ligne là, parce que je suis un peu en train d'halluciner. Ici, hop, hop, hop. Là, on nous demande en fait d'accepter aussi la réalité et d'activer ce processus créatif. Si vous êtes dans l'attente, si vous êtes plombé dans le passé en disant voilà, non, je ne sais pas, j'ai vécu ça, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui va être dépassé, en tout cas qui va être guéri, quelque chose de profond, quelque chose d'essentiel qui est lié à l'environnement familial, qui est lié à l'histoire, peut-être à la psychogénéalogie, peut-être à des choses dont vous avez conscience, mais peut-être que ça remonte à beaucoup plus loin et vous n'en avez pas forcément conscience, mais peut-être des histoires qui se répètent de génération en génération, parce que ça c'est possible. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'aujourd'hui il y a une nouvelle page et une nouvelle époque qui s'ouvre pour nous. C'est une comme une nouvelle histoire où tout est possible, où tout est en train de s'écrire. Et là, on vous dit, ayez conscience que c'est vous qui tenez la plume, que c'est vous qui êtes l'auteur, et qui c'est à nous qu'il appartient d'écrire ce qu'on veut dans notre vie, dans ce nouveau cycle. En plus, c'est intéressant parce que c'est une période d'anniversaire pour les béliers, donc on repart sur une nouvelle année. Dans mon cas, cette date anniversaire, elle représente le premier jour d'un cycle de 9 ans en numérologie, donc c'est d'autant plus important. Je pense que c'est pour ça que ce tirage me touche particulièrement. Donc il y a vraiment quelque chose de fort, donc prenez les temps d'écrire, de vous recentrer sur l'essentiel. Quelque chose de spécial est en train de se passer. C'est un moment charnière où on peut décider de repartir avec toutes ces souffrances, ou on peut décider d'en faire quelque chose de constructif qui va vous tirer vers le haut. Waouh. Et en plus, on est des petits génies, donc on peut le faire. Je plaisante, qu'à moitié. Et puis, il y a cette énergie de Michael, je la trouve juste fantastique dans ce tirage, parce que chaque point est repris dans les soutiens extérieurs, dans la résolution des conflits, etc. Il y a quelque chose de très fort. Je suis curieuse de savoir comment ça va résonner pour vous.